Alors bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Vincent de la start-up Entrup. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors est-ce que tu peux nous pitcher ta start-up en 30 secondes ? Bien sûr. En gros, tout part d'un constat, c'est que le premier facteur de succès d'un projet, quel qu'il soit, c'est l'équipe. Et la clé de la performance et de l'épanouissement de l'équipe, ce n'est pas sa constitution, mais c'est les interactions entre les différents membres de l'équipe. Et ça, ce n'est pas nous qui le disons, c'est le LATI, le laboratoire de Paris Descartes avec lequel on travaille, c'est McKinsey, c'est Google. Et donc, on a développé Entrup. Entrup, c'est le premier logiciel de cohésion d'équipe qui va générer, après avoir passé un petit serious game qui va analyser valeur, personnalité et motivation de chacun des membres de l'équipe, des ressources pour permettre à l'équipe de bien interagir à chaque moment clé du projet. Par exemple, un kick-off, par exemple, une réunion, un meeting, l'intégration d'une nouvelle personne. Entrup va générer des ressources, un support, un petit jeu, une méthodo pour que tout se passe le mieux possible tout au long de la vie de l'équipe. C'est parfait. Et est-ce que tu peux nous dire quelle forme prend la start-up ? Est-ce que vous êtes une plateforme, un logiciel ? Est-ce que vous visitez les entreprises ? Alors, Entrup, c'est un logiciel, SaaS, donc c'est pure tech. Après, dans les équipes qui connaissent des difficultés particulières, on travaille avec des consultants et des coachs qui travaillent derrière pour nous dans les entreprises, dans les équipes qui ont des difficultés. Ok, très bien. Et est-ce que c'est ta première fois au Blend ? Alors, moi, personnellement, oui. Entrup, c'est notre deuxième participation. Et puis là, c'est la première fois qu'on est au concours, sélectionné pour le concours du Blend de start-up. Bon bah, félicitations, alors. Merci. Et qu'est-ce qui vous a motivé, alors, pour vous inscrire à Blend ? Eh bien déjà, la rencontre de Pierre Hamelot, qui on a pu échanger sur les problématiques marketing d'Entrup. Puis ensuite, c'est quand même un événement qui a une certaine notoriété ici au niveau tech. Et vu qu'Entrup, c'est de la tech, on s'est dit qu'il y avait pas mal d'acteurs à rencontrer ici, et notamment des investisseurs. On est en phase de levée de fonds, c'est notre seconde levée de fonds, 1,2 million cette fois, pour accélérer notre développement sur le CAC 40 notamment. Très bien. Est-ce que vous avez une prochaine échéance ? Alors oui, donc la levée de fonds, c'est fin d'année. Aujourd'hui, on travaille déjà avec une dizaine de groupes du CAC. L'objectif, super, c'est d'atteindre la moitié du CAC d'ici fin 2018 et surtout de se déployer aussi sur les ETI et les PME qu'on a commencé à toucher il y a quelques mois. Super, félicitations. Merci. Eh bien écoute, pour finir cette petite interview, je te propose un petit jeu, un Fast and Curious. Ok. Alors, est-ce que tu es plutôt design ? Ou société ? Alors si je dis design, je vais me faire défoncer par mon équipe, donc on va dire société. Très bien. Et du coup, plutôt LinkedIn ou Facebook ? À LinkedIn. Et pour finir, est-ce que tu es plutôt tech ou web marketing ? Allez, je vais provoquer, je vais dire tech. Parfait. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Vincent. Merci donc, à toi. Vous pourrez retrouver donc, le pitch de Entrup tout à l'heure à 16h. Un petit mot pour la fin ? Eh bien écoutez, vous pouvez venir nous voir pitcher à 16h au Blend. Si vous êtes intéressé, vous pouvez participer à notre deuxième levée de fonds et nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur notre site entrup.co habituel. Parfait. Merci beaucoup, Vincent. Merci.